aux environs du 15 août, deux opérateurs de Marseille. La script a un rôle prépondérant dans le journal et les émissions de la rédaction et des programmes. On va préparer en amont le journal et les émissions. Pendant les directs, on annonce à tous les techniciens et aux présentateurs tout ce qui va arriver. On passe notre temps à compter des temps, des minutes et des secondes. Le journal, par exemple, il rentre dans un temps bien imparti. C'est, par exemple, 22 minutes et 40 secondes, ce ne sera pas plus, pas moins. Et nous, on doit faire en sorte que tout rentre dedans. Donc, on gère à la seconde près. Moi, j'appelle ça un chef d'orchestre, en fait. Voilà. J'ai été formée à l'Université de Corse. J'ai commencé en 2000 avec un DUT Service et Réseaux de Communication, qui a changé de nom depuis. Et ensuite, j'ai fait la première licence audiovisuelle cinéma. On était les premiers, donc on a eu pas mal de portes qui sont ouvertes derrière pour travailler. Il y a eu beaucoup de techniciens ici, maintenant, de monteurs, de OPV, donc caméraman, plateau, qui ont été formés à la fac avec des formations spécifiques. Il n'y avait pas de formation spécifique script, mais moi, je savais déjà ce que je voulais faire. Donc, je suis rentrée à France 3 aussi parce qu'il y avait un besoin de script au vu de la naissance de Viastel qui allait arriver assez rapidement, quoi. Quand Viastel est né, je me suis dit, on va avoir encore plus de travail. Mais en même temps, c'est un vrai plaisir parce qu'on a tellement de tâches diversifiées qu'on n'a pas un travail qui est monotone, en fait. Parce que toutes les semaines, on ne fait pas la même chose. On a énormément de programmes. On a quand même des journaux télévisés, on en a 5 par jour. Sur le continent, sur les autres régions, ils en ont 2 par jour seulement. On a énormément de missions, ce qui fait qu'on a beaucoup de travail, ce qui implique aussi le besoin d'avoir beaucoup de scripts aussi à France 3 Corse. Ça fait maintenant 13 ans que je suis là, c'est un métier que j'ai choisi, c'est ce que je voulais faire et c'est toujours un plaisir de venir travailler et de pouvoir travailler sur autant d'émissions, musique, sur des captations comme on peut faire, sur des émissions politiques comme on peut faire aussi, des émissions de sport en extérieur, ça c'est super. On a un car régie, on a du matériel, on est maintenant dans un bâtiment flambant neuf et magnifique où on a tout ce qu'il faut pour travailler correctement, quoi.